Aidez à l'humilité et habilité à marcher avec vos buts. Par vos conseils, nous rendons grâce à Dieu. On va rêver d'être à la capitale, et nous ne sommes pas tous des dirigeants maintenant, mais déjà tout simplement dans notre vie de tous les jours. Et puis le psaume lui-même est un cri. Le cri de l'homme, l'homme qui souffre. Et nous pouvons penser combien cette souffrance était présente chez ceux qui ont combattu pour la patrie dans cette grande guerre. Cette guerre, combien meurtrissait non seulement les corps, mais aussi les cœurs, les esprits. Oui, le cri de l'homme, vite réponds-moi, Seigneur, je suis un peu de souffle, ne me cache pas mon visage. Je vais en voiture. Valérie, est-ce qu'elle va t'agir? Ça va, allez.
Je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire des morts du premier conflit mondial. Au mort! Thank you.
ensemble. Garde-vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Dépôt de GA. Je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire des victimes de tous les conflits. Aux morts. Rejoignez votre emplacement. Commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Message du 11 novembre 2015 du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait être la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tous les conflits. Au cours de l'année 1916, la France va connaître deux batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropole, d'outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre.
les cérémonies commémoratives le 29 mai à Verdun dans la Meuse, le 1er juillet à Thiepval dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesurer à quel extrême le nationalisme a conduit l'Europe à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l'ensemble de nos territoires et les maires sont invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leur commune. Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le 8 avril 1915, une loi crée une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les combattants français ou étrangers dont le comportement au combat à titre individuel ou collectif mérite d'être cité en exemple. La Croix de guerre 1914-1918 est remise à des combattants et à des communes devenues la Croix de guerre 39-45 puis la Croix de la valeur militaire en 1956. Elle distingue des militaires et depuis peu des civils ayant accompli des actions d'éclat pendant des guerres, des missions ou des opérations extérieures. Ces décorations sont un lien intergénérationnel, indélébile, qui regroupe toutes celles et tous ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de leur sens du devoir et de leur esprit de sacrifice de 1915 à nos jours. Certains d'entre eux en restent marqués dans leur chair. D'autres ont leur nom inscrit sur les monuments aux morts, devant lesquels la nation tout entière se recueille aujourd'hui. Tous les morts pour la France, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd'hui dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Message de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale. Il s'inscrit dans la continuité de ceux déjà diffusés dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. 1915, entre mai et octobre, trois nouveaux pays entrent en guerre à leur tour. L'Italie, Saint-Marin, petite république encastrée dans les territoires italiens, la Bulgarie. Sur le front, dans l'hiver dernier, les soldats sont immobilisés dans la boue des tranchées. Attaques et contre-attaques ne font guère évoluer la situation. En février, les liquides enflammés font leur apparition dans la Meuse et le 22 avril, à Langemarck, au nord d'Ypres, sont utilisés pour la première fois le gaz moutarde ou hyperite qui va faire de nombreuses victimes. À la hâte, on fabrique des masques à gaz. Par ailleurs, au plan vestimentaire, le trop voyant pantalon rouge Garance porté par nos soldats est remplacé par un uniforme bleu horizon. La situation de notre pays est déjà inquiétante. La production de l'industrie lourde a diminué de 40%. Celle de la production de blé de 30%. Février a vu l'arrivée d'un premier contingent venu en renfort du Canada. Depuis ce moment jusqu'à la fin des opérations militaires en novembre 1918, quelque 620 000 hommes et femmes de ce pays sont venus en Europe. 60 000 d'entre eux y sont morts et autant ont été handicapés à vie. En dehors du front occidental, il y eut d'autres lieux où se dérouleront de durs combats. Le front des Balkans fut de ceux-ci, Yougoslavie, Albanie, Bulgarie, Empire ottoman. Après une expédition maritime en février, un débarquement terrestre était décidé sur la presqu'île de Gallipoli en avril. Ce sera pour les Alliés un échec complet. Un front d'Orient étant constitué et tenu en 1915 et 1919, Salonique en fut la base principale. Ceux que Clémenceau avait appelés avec quelques mépris les jardiniers de Salonique, du fait du long temps d'inaction, représentés entre autres par près de 300 000 soldats français qui combattirent sur ces terres balkaniques et y perdirent plus de 50 000 des leurs. Par ailleurs, ils poursuivirent la guerre pour tenir le front sud de la Russie contre les bolcheviks. Ce n'est qu'en mars 1919 que les poilus d'Orient furent rembarqués au Odessa
avec le sentiment d'avoir injustement été oubliés de la Grande Guerre. Monsieur le maire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis lycéens du lycée agricole de la Barotte. Cette cérémonie qui nous réunit en ce jour de commémoration de la fin de la guerre 14-18 ne pouvait se terminer sans que j'exprime, au nom de tous les Châtillonnais, le sentiment de grande satisfaction que nous tous nous ressentons en voyant ce matin autant de jeunesse devant notre monument. Notre présence lycéenne et lycéen de la Barotte se révèle être, pour les plus anciens, le symbole très fort d'une jeunesse qui sait, quand l'occasion s'en présente, se retourner sur l'histoire de la France pour analyser, réfléchir sur les événements qui ont marqué notre pays. Il n'est nullement dans mon intention de vous délivrer une leçon d'histoire. Je préfère simplement vous donner lecture d'une lettre d'un poilu, bien plus âgé que vous, qui correspondait avec ses parents juste avant d'aller au combat en octobre 1914. Cher papa, chère maman, avant de quitter Saint-Denis, la commune où il habite, pour les lignes de feu, je tiens à vous dire mes dernières volontés. C'est avec conscience et en toute connaissance de cause que j'ai demandé à partir. J'ai voulu rester digne. C'est le seul et le plus bel héritage que vous puissiez nous transmettre. Vous nous avez toujours dit que nous devions accomplir notre devoir entièrement, malgré les sacrifices qu'il comporte. Le moment est venu. Il faut chasser les barbares, les massacreurs de femmes et d'enfants, ceux qui ont détruit notre héritage artistique, ceux qui veulent rabaisser l'homme au niveau des sauvages. Il faut chasser tout cela de notre France. Tous, nous devons avec résignation donner notre vie à la patrie, tels les anciens et nos aïeux de 1789. Je pars avec votre bénédiction. Vous êtes tous deux résignés et prêts au dernier sacrifice. Je n'ai rien à léguer, vous le savez. Je voudrais que de temps en temps, vous parliez de moi à mes petits-neveux, à Pierre, qui fut une de mes dernières joies. Je voudrais surtout, et je sais que vous le ferez, que vous consoliez ma chère Andrée. J'ai brisé sa vie en voulant la rendre heureuse. Nous faisions un rêve trop beau tous les deux. Voilà à peu près tous mes désirs. Je souhaite de tout mon cœur que vous n'ayez jamais à lire cette lettre. Recevez mes plus affectueux baisers. Vous avez toujours été bon pour nous. Il a fallu qu'une guerre barbare détruise la douce maison où nous habitons et où j'ai passé de si bons moments près de vous et près de toute notre famille. L'homme propose, Dieu dispose. Adieu. J'aurais aimé vous rendre la vie heureuse, mais hélas, ayez du courage, c'est pour la France et pour la justice que votre Julien est mort. Et signé Julien Christol. Ce témoignage bouleversant nous invite au respect absolu de tous ceux qui nous ont laissé une France pacifiée en héritage, mais c'est aussi une invitation à exercer de façon lucide notre regard de citoyen éclairé sur le monde qui nous entoure. Et j'ajouterai
que c'est aussi un acte de foi dans les ressources de la jeunesse. Merci à tous ce matin pour ce moment de partage des valeurs de la République. Que sa devise, liberté, égalité, fraternité, soit toujours plus vivante grâce à vous et grâce à vous, jeunes lycéens et lycéennes du lycée agricole de la Barotte. Vive la République et vive la France. Je demanderai à monsieur le maire, monsieur le représentant de la gendarmerie, de l'Ordre national du mérite, des médaillés militaires et des présidents d'associations de bien vouloir saluer les porte-drapeaux et la musique. Gardez-vous.